Je m'appelle Armel Dutheil, je suis religieux missionnaire spiritain. Et après avoir travaillé dans un certain nombre de pays, bon, si on peut préciser, donc en particulier le Congo, la Côte d'Ivoire, dans les camps de réfugiés pendant la guerre du Libéria de Sierra Leone, puis aussi 3 ans avec les migrants en France, et puis bon, surtout au Sénégal, où j'ai grandi et où j'ai fait toutes mes études avant de partir au séminaire. Voilà, j'ai commencé en fait à l'école Saint-Michel, à l'école primaire. Ensuite, je suis parti au collège. Et c'est au collège que j'étais ensemble avec l'abbé Léon Diouf qui vient de nous quitter, avec Jacques Sarre hein, qui nous a quittés avant, Emmanuel Sarre également, et puis le cardinal qui est le... Enfin, nous sommes les deux des 5 mousquetaires, parce qu'on était 5 mousquetaires. Et en fait, j'ai terminé à la Mingueille, effectivement, parce que j'étais de formation plus scientifique. Et donc c'était à la Mingueille que je suis parti en Mathélem et que j'ai terminé mes études, quoi. Alors, la Mingueille, ça s'appelait Van Bollenhoven de ce temps-là. Voilà. Non, je pense que j'étais pas trop turbulent, j'étais assez travailleur parce que d'une part c'est dans ma famille, mon père avait eu d'énormes problèmes, il s'était retrouvé orphelin en étant tout jeune, avec sa mère handicapée et malade, et il n'avait pas pu continuer les études, et son rêve c'était vraiment que ses enfants puissent arriver. Et donc ça a été l'un de mes... Je voulais moi aussi réussir parce que mon père me poussait énormément. Et ça a été d'ailleurs l'un de mes problèmes parce que le rêve de mon père, c'est que je sois un grand ingénieur. Et quand je lui ai dit que je voulais être prêtre, bon, il a eu un peu de peine à accepter cela, quoi. J'ai toujours... voulu être prêtre. Aussi loin que je remonte, j'étais enfant de cœur déjà à l'âge de 6-7 ans, et déjà je voulais être prêtre à ce moment-là. Et assez rapidement, j'ai aussi voulu être missionnaire. Hein. Et donc ça m'a... Dieu m'a appelé depuis toujours. Hein. Ça dépend un peu de chacun. Il y en a qui sont appelés plus tard, et d'autres qui sont appelés plus tôt, quoi. Oui, alors, comme j'ai dit, depuis toujours, je voulais être prêtre et rapidement, vers déjà 9-10 ans, je voulais être missionnaire. Et mon rêve, c'était d'être missionnaire en Chine. Et puis, malheureusement, avec tout ce qui s'est passé, avec la révolution chinoise, Mao Tse-tung, etc., ben, il n'était plus question de partir en Chine. Mais comme je voulais toujours être vraiment missionnaire, pas seulement prêtre, mais prêtre missionnaire, et que les spiritains étaient donc les missionnaires, et déjà à l'origine du Sénégal, je les connaissais bien, donc je suis rentré et je me suis fait spiritain dans la ligne normale de, je dirais, de ma vocation, quoi. Oui, alors c'était un temps assez extraordinaire, hein. Donc effectivement, j'ai commencé donc d'abord ma formation religieuse, ce qu'on appelle le noviciat, et puis la philosophie en France, ensuite en Suisse la théologie. Et puis après, je suis parti faire un stage missionnaire, parce qu'avant de s'engager définitivement chez nous et d'être ordonné prêtre, on fait un stage missionnaire pour voir si on est capable de travailler dans une autre culture. Et j'ai été envoyé au Congo. Et au Congo, j'étais au moment de la révolution congolaise, où déjà on a eu énormément de problèmes, puisque c'était une république populaire, marxiste, où donc tous les mouvements d'action catholique étaient supprimés, les écoles étaient nationalisées. Alors déjà tout ça, ça m'avait ouvert à une question, comment l'Église peut être présente dans ces conditions, puisqu'on ne pouvait plus compter... même pas dans les tournées de villages en secteur rural, même pas sur la... Il n'y avait que la catéchèse qui était autorisée, mais on n'avait plus de mouvement, on n'avait plus d'association, etc. Donc ça m'a amené
à me poser beaucoup de questions. En plus, j'étais de ce temps-là, j'étais militaire. En fait, j'étais engagé dans l'armée. Je m'étais engagé dans l'armée pour mon stage pastoral et pour être sûr de partir en Afrique. Et donc, je me posais beaucoup de questions sur comment l'Église peut être présente dans le monde d'aujourd'hui, à partir de ce que j'ai vécu. J'avais aussi des confrères qui étaient arrêtés, qui étaient en prison, certains ont été torturés. Et plus tard, le cardinal a lui-même été assassiné, hein, Émile Biayenda. Et donc, il y avait toutes ces questions-là. Et vraiment, le concile a été une grande libération, une grande joie, avec toute la recherche que j'ai pu revivre, donc après mon stage, quand je suis revenu en théologie. Et c'est ce qui m'a donné vraiment les bases de mon travail missionnaire. Vraiment, mon travail, c'est à partir du document de Vatican II qui m'a vraiment nourri, hein, qui s'appelle Gaudium et Spes, la joie et les espoirs des hommes, et aussi leur souffrance et leur détresse, c'est aussi les joies, les souffrances des hommes, leur espoir et leur détresse. Donc tout ça, disons que mon engagement missionnaire repose à partir de Vatican II sur deux choses. La première chose, sur l'évangélisation. Et quand je dis évangélisation, c'est dans la ligne de ce que disait Saint Paul. Le Christ ne m'a pas choisi pour baptiser, mais pour être évangélisé. Donc c'est un peu pourquoi je ne me suis pas fait diocésain, mais je me suis fait religieux missionnaire. Hein, c'est-à-dire que je sens que je suis envoyé pour évangéliser. Évangéliser, ça veut dire permettre à tout le monde de vivre dans l'esprit de l'évangile, quelle que soit sa religion. Hein, donc proposer à ceux qui le veulent, qu'ils soient musulmans, bouddhistes ou athées, etc., de vivre les valeurs de l'évangile. De vivre, je dirais, à la manière de Jésus-Christ. Et c'est ça, être évangélisé. Donc tout homme, tout croyant peut être évangélisé, même s'il n'est pas baptisé, même s'il continue à suivre sa religion, mais avec les valeurs de l'évangile, avec les idées à la manière de Jésus-Christ. C'est le premier axe. Et la deuxième base, pour moi, qui est importante, c'est cette idée que le Vatican II a menée, c'est le royaume de Dieu. C'est que l'Église ne doit pas travailler pour elle-même. L'Église est au service du royaume, et un royaume qui est ouvert à tout le monde. Jésus est mort pour tout le monde. L'Évangile est pour tous, pas seulement pour les chrétiens. Et nous avons la responsabilité de le partager avec les autres. Et Dieu veut que, déjà sur cette terre, tous les hommes puissent faire partie de son royaume. Alors qu'est-ce que c'est que le royaume de Dieu? Ben, la préface de la fête du Christ roi, le Christ roi du monde entier, pas seulement roi de l'Église, hein, le Christ roi, où on nous dit le royaume de Dieu, c'est un royaume de grâce et de vérité, de justice et de paix, d'amour, de pardon et de réconciliation. Donc à chaque fois que des hommes sont là et cherchent la justice, à chaque fois que des hommes construisent la paix, à chaque fois que des hommes s'aiment, se pardonnent, amènent la réconciliation, le royaume de Dieu est là. Hein? C'est pas l'Église, mais l'Église justement est au service du royaume, et c'est ça un peu. Donc c'est un peu, pour résumer, j'ai déjà été assez long, hein, mais l'essentiel de ce que j'ai pu vivre du Concile de Vatican II et ce que cela m'a amené, quoi. Une église, et que maintenant le pape François s'y remet tout de suite, une église qui sort, une église qui se met au service, une église qui est attentive aux plus abandonnés, à ceux qui sont les plus loin. François nous dit sans arrêt, une église aux périphéries. Donc c'est un peu ça, quoi. Mais vraiment, je garde un excellent souvenir partout où je suis passé. Hein, parce que bon, j'ai toujours été très bien accueilli. Hein, j'ai toujours été frappé vraiment par la simplicité, l'accueil, l'amitié des gens. Sans doute parce que je me trouvais à chaque fois dans des conditions assez difficiles, quoi. Et quand on est dans des conditions difficiles, normalement, on se serre les coudes, on se retrouve ensemble, quoi. Déjà, mon stage, comme je l'expliquais tout à l'heure, j'étais dans une république populaire, marxiste, avec des confrères qui étaient en prison, arrêtés, torturés. Ensuite,
Quand je suis venu travailler au Sénégal après Tambacounda, je suis parti à Saint-Louis. Et c'est là qu'il y a eu tous les événements entre le Sénégal et la Mauritanie. Donc ça m'a amené à travailler avec les réfugiés dans le nord, les réfugiés africains qui venaient, enfin noirs, disons, qui venaient de Mauritanie, qui étaient chassés dans les camps de réfugiés de Dagana. Et comme j'avais donc eu obligatoirement cette expérience-là, c'est pour ça que je suis parti dans la forêt de Guinée, là où les populations de Liberia, de Sierra Leone s'étaient repliées, parce que poursuivies par les rebelles, donc des camps de réfugiés dans la forêt. Et nous avons nous-mêmes été attaqués par les rebelles, on est obligé de s'enfuir. Pour moi, c'est une grâce d'avoir vécu ces temps forts, parce que là, vraiment, on est obligé de revenir à l'essentiel. Et là, on est vraiment unis ensemble les uns avec les autres. Et puis, bon, il y a du travail à faire. Bon, il y a des gros obstacles, c'est difficile. Mais en même temps, ce qu'on vit, c'est vraiment très fort, quoi. Je suis prêt à retourner dans chacun de ces pays-là où je garde vraiment d'excellents souvenirs. Et je suis très heureux. Où on continue maintenant, avec les moyens qu'on a, grâce à Facebook, à Internet, etc., on est encore en contact, quoi. Donc j'ai vraiment des tas d'images, pas seulement dans les yeux, mais dans le cœur. Bon, la première chose, c'est qu'en tant que missionnaire, il faut s'adapter, quoi. Hein. Mais effectivement, c'est absolument essentiel de voir la réalité des choses. Hein. La première chose qu'on doit faire, c'est de connaître le pays. Et quand je dis connaître le pays, c'est pas seulement connaître la situation économique, sociologique, mais connaître les gens et aimer les gens. Il faut qu'on soit amoureux d'un peuple. Sinon, c'est pas la peine, il faut partir tout de suite, quoi. Et puis, en tant que religieux, il y a la question de disponibilité. Après 3 ans en France, où j'étais appelé à travailler avec les migrants, je suis revenu au Sénégal. On m'a envoyé d'abord à Tambacounda, ce sont mes responsables, mes supérieurs qui m'ont envoyé, parce que le responsable, le curé de Tambacounda, était nommé responsable de tous les spiritains pour la Mauritanie, le Sénégal, les deux Guinées, la Guinée-Bissau et la Guinée-Conakry. Donc il fallait quelqu'un à Tambacounda. Alors là, je me suis retrouvé curé de paroisse, mais en même temps, une paroisse énorme, puisqu'elle allait jusqu'à Goudiri, jusqu'à Sigira, jusqu'à Kidira, dans les terres neuves de Koungol, Koupentoum, Kœur Daouda, Koussanar, etc. Donc c'était une paroisse énorme. J'étais très peu souvent au centre. C'était les religieuses qui étaient un peu mes vicaires et qui travaillaient, et puis aussi l'évêque d'ailleurs, qui restait sur place. Et donc, ça fait que malgré tout, j'ai eu un travail missionnaire de mise en place de communautés, de villages, mais des communautés qui essayaient d'être présentes dans la vie sociale, dans la vie économique du pays. Puis une grande partie, c'était donc des terres neuves, c'était donc des gens qui venaient du Mont-Roland en particulier, où les terres étaient vraiment très pauvres et épuisés, et donc le gouvernement leur a proposé de s'établir du côté de Koungol et de Koupentoum. Et donc on était en plein exode, un peu comme le peuple d'Israël. Donc ça fait que là, c'était la mise en place d'une église, la mise en place de communautés chrétiennes, etc. Et puis rapidement, Monseigneur Pierre Sagna, que j'avais connu déjà pendant nos études, m'a demandé de venir à Saint-Louis. Là, pour tout à fait autre chose, il me dit écoute, tu ne seras plus en paroisse. Je te confie la responsabilité des jeunes. Les jeunes, c'était les enfants de la rue, parce qu'il y en avait un certain nombre. C'était les jeunes en prison. C'était les jeunes dans les écoles. Donc je passais dans les écoles, à la demande de l'inspecteur d'académie d'ailleurs, et dans les quartiers, faire des projections audiovisuelles, des diaporamas, etc. Et donc là, c'était plus soit un soutien avec du matériel pédagogique
aux enseignants dans les différents collèges ou lycées, soit un travail en particulier pour l'éducation sexuelle des jeunes, parce que c'était un peu leur problème. Et c'est à partir de là que j'étais amené à écrire des livres. Et puis de travailler avec les jeunes, ça m'a mené jusqu'aux prytanées militaires. Donc vraiment tous les jeunes. Bon, ben, je crois qu'il faut s'adapter au pays où on est, où il faut aussi, d'abord, la première chose pour nous, c'est d'apprendre la langue. Donc à Tambacounda, je m'étais mis au Bambara. Et puis à Saint-Louis, bon, là, je me suis remis au Wolof, mais là, je n'avais pas de problème, parce que je le parlais en étant jeune déjà, mais avec aussi le poulard, quoi. Donc, j'étais heureux dans les deux endroits, mais vraiment un travail très différent. Mais je crois que c'est ça la vie missionnaire, c'est on est au service d'un peuple, et si le peuple est différent, si les problèmes sont différents, et bien il faut qu'on s'adapte, quoi. Ben, ma force, c'est Jésus-Christ. Il suffit de regarder Jésus-Christ. Jésus-Christ, il a aidé tout le monde. Il était aussi bien avec les chefs religieux. Il mangeait chez des pharisiens, avec des gens comme Zaïre. Et en même temps, il allait voir les plus pauvres. Mais en même temps, il dormait. Il n'a même pas une pierre pour reposer sa tête. Donc, je pense que si tu te sens envoyé par Jésus-Christ, donc, il faut que tu regardes un peu les choses avec les yeux et puis surtout avec le cœur de Jésus-Christ et que tu médites un peu ce qu'il a fait, comment il a vécu. Et bon, mais Jésus-Christ, il a été vraiment proche de tout le monde. Et moi, personnellement, ce qui me frappe dans la vie de Jésus-Christ, c'est bien sûr, il a été évangélisateur, il a annoncé la parole de Dieu. Ça a été vraiment un homme très bon, il a guéri les malades, il a vraiment tout fait pour aider les gens, il a nourri les gens qui avaient faim. Mais en même temps, je dirais, Jésus-Christ était un guerrier. Dès le début il a été un fils de migrant, et dès le début de sa vie, il était obligé de s'enfuir en Égypte. Enfin, c'est son père qui l'a amené, mais parce que le roi Hérode devait le tuer. Toute sa vie, il a été confronté à l'opposition, aux critiques, même à la méchanceté des pharisiens, des scribes, etc. Et malgré tout, il est resté bon, il est resté disponible. Et pour moi, vraiment, d'ailleurs, c'est ce qu'on dit dans la prière eucharistique des enfants, Jésus, l'ami des petits et des pauvres. Et je crois que c'est ça qui est essentiel. Jésus qui défend les gens. Jésus qui défend les enfants. Quand les apôtres veulent les chasser, ils disent « Laissez venir les enfants à moi ». Jésus qui défend les femmes qui n'avaient pas leur place chez les juifs, elles les caressent à la maison. Et Jésus choisit une femme pour faire connaître sa résurrection. C'est une femme, Marie-Madeleine, qui a été annoncée au premier pape, à Pierre, que Jésus était ressuscité. Et pas n'importe quelle femme, c'est une ancienne prostituée qui était possédée par des esprits mauvais. C'est cette femme-là que Jésus-Christ a choisie. Quelqu'un qui était rejeté, qui était méprisé. Jésus, il a vraiment défendu même la femme adultère, en disant que le premier, que celui qui n'a jamais péché, qui lui jette la première pierre. Quand Jésus est chez Simon, la prostituée, quand le voit, est tellement touchée, elle se met à pleurer, et Jésus dit à Simon, tu vois cette femme, c'est vrai, c'est une prostituée, mais Dieu lui pardonnera beaucoup parce qu'elle a beaucoup aimé. Ça veut dire que Jésus ne voit pas les bonnes choses qu'elles font, parce que Jésus était une prostituée, il est con de la prostituée. Jésus voit le désir de notre cœur et ce que les gens veulent faire, même s'ils n'arrivent pas. Bon, des choses qui me frappent, l'officier romain, son serviteur est malade, il va voir Jésus. Jésus revient de mission. D'abord, il pouvait être fatigué. Il pouvait dire, bon, laisse-moi me reposer un peu. Il est disponible. Mais il pouvait refuser en disant, écoute, toi, là, l'officier romain, mais excusez-moi, mais tu es un salaud. C'est toi qui as tué mes frères, là. C'est toi qui as colonisé notre pays. Et tu veux que je soigne ton serviteur. Jésus avait tout le droit de faire ça. Au contraire, il va non seulement guérir son serviteur, mais le donner comme modèle aux Juifs. J'ai jamais vu une telle foi en Israël. C'est ça qu'il dit. Donc moi, c'est ça qui m'entraîne, quoi. Jésus, il va voir tout le monde, il essaye de voir les choses avec un cœur bon et il essaye de faire grandir les gens. Il n'attend pas qu'ils soient bons, il voit les gens en positif avant même qu'ils aient fait les choses. Donc c'est ça qui...
qui me pousse. Et puis, bon, la deuxième raison, disons, à Pékin, je me suis en accord avec mes confrères. Je m'étais spécialement spécialisé dans la mise en place des CEB, les communautés ecclésiales de bas. Donc des communautés chrétiennes. Mais mettre en place des communautés chrétiennes qui ne soient pas seulement des groupes des prières, qui ne soient pas des communautés seulement ecclésiales, mais qui soient des communautés chrétiennes de quartier. Donc qui vivent la vie du quartier, qui travaillent avec le chef de quartier, avec les imams, avec les ONG dans les quartiers, avec les AIC pour les jeunes, etc. Et donc ça t'oblige à t'ouvrir et à travailler avec tout le monde. Hein? Alors d'abord, ça, ce sont mes derniers enfants. Avant, j'ai écrit, disons, une quarantaine de livres, hein, pour l'éducation. J'avais commencé par des livrets, puis d'abord des feuilles polycopiées quand j'étais au Congo, puis des livrets, puis c'est devenu des livres imprimés, limités au Congo démocratique, plus sur l'éducation des jeunes. Le gros problème, c'est d'abord les problèmes de sexualité, parce que pour les jeunes et les adolescents, et la préparation au mariage. Avec toutes les questions, l'amitié entre garçons et filles, comment se connaître, etc. Et puis les jeunes avec lesquels je travaillais ont grandi, ils se sont mariés. Alors après, ça a été toutes les questions, comment vivre le mariage, comment éduquer les enfants. Et puis, les problèmes se sont posés. Donc les livres suivants, ça a été plus sur le maraboutage, la sorcellerie, où trouver la chance, le deuil... le veuvage, etc. Donc il y a eu toute une progression. Et puis, bon, ben, comme j'étais appelé à la radio, ben, chez vous, hein, donc à Radio Miséricordia, à faire des commentaires d'évangiles, des évangiles de chaque dimanche, ben, une fois que j'avais composé ces évangiles, ils passaient à la radio, ben on me les a demandés parce que les gens voulaient les relire. Donc c'est ça qui m'a amené à imprimer effectivement donc 5 livres, donc les commentaires de tous les évangiles du dimanche des 3 années, ce qui recouvre pratiquement tous les évangiles. Et puis après, ben, comme vous le faites aujourd'hui, j'ai été interviewé par un professeur de philosophie. Et donc là, c'est un peu ma biographie qui est sortie en livre. Donc... moi, ce que je dis souvent, c'est que c'est la vie qui commande. Hein. Ce qui est important, c'est d'être fidèle aux événements, parce que je pense que les événements, ce n'est pas seulement du hasard, c'est l'Esprit, le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus qui nous appelle. Alors le problème, est-ce qu'on est capable de discerner ces appels de Jésus-Christ ? Et ces appels, ils viennent à partir des problèmes, des difficultés, des souffrances de nos frères et de nos sœurs. Mais mon problème, c'est pas d'être compris. Mon problème, c'est d'être compris par Jésus-Christ et de dire ce que le Saint-Esprit, d'après ma compréhension, hein, mais je peux me tromper, mais d'après ma compréhension, ce qu'il est important de dire aux gens, ce dont ils ont besoin. Hein. Et alors, tous ces livres-là, j'aurais dû le préciser, peut-être, je ne les ai pas composés tout seul dans mon bureau. Hein. Là, ce n'est pas le Saint-Esprit qui m'a inspiré, c'est le résultat de travail avec des associations familiales, avec des groupes de foyers. Bon, d'abord avec des jeunes, comme j'expliquais, puis les jeunes, ils se sont mariés, etc. Et donc, d'ailleurs, tous mes livres ont été écrits, tous ces premiers livres-là, en duo, avec une femme, mère de famille, grand-mère, psychologue, éducatrice, qui s'appelle Simone Sarrazin. Et donc ces livres ont été écrits en commun, on était à deux, et la complémentarité entre hommes et femmes, entre laïcs et religieux et prêtres, ça me semble très important. Et notre travail, ça a simplement été de mettre en forme ce que nous vivions au cours des sessions, au cours des rencontres avec les couples et les foyers pour ce livre-là. Donc, finalement, c'est les vrais auteurs, hein, c'est les gens avec qui nous avons travaillé, quoi, et ça continue à être vrai jusqu'à maintenant, quoi, hein.